petit mot à tous ceux qui me suivent encore. Donc merci énormément à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci à tous ceux qui me suivent toujours. Je vous adore énormément beaucoup. Des gros bisous. Love. Bonjour à tous, c'est Mélène qui est de Personnel et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais faire aujourd'hui la petite Heidi en Fimo. Et je suis contente de faire un tuto Fimo parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc merci à tout le monde qui mettront des gros pouces bleus et qui s'abonneront en activant la cloche pour me soutenir. Gros bisous. Pour ce tuto, il nous faudra de la Fimo bleue. Donc moi j'ai pris la Fimo Kit, donc j'ai que ce bleu là, numéro 312. De la Fimo jaune tournesol, ah non, limone numéro 10. De la Fimo gris numéro 80. De la Fimo rose 262. De la Fimo blanche numéro 052. Donc moi j'ai pas de rouge, donc du coup j'ai pris celui-là. Donc c'est le numéro 200, non, 28. Du noir. C'est noir. Numéro 9. Et du chair clair pour sa peau, numéro 43. Il nous faudra du vert, donc moi du coup bah, c'est de la cernite. On commence par faire d'abord comme ceci, un socle pour notre petite Heidi. Donc j'ai mis un peu de blanc pour voilà, pour le socle. C'est l'eau, la mer. On vient prendre notre Fimo pâte gris et on vient faire trois rochers. Donc, trois rochers qu'on va mettre ici. Vous voyez, j'ai fait des petites vagues. Donc je les ai fait avec ce truc que j'avais eu dans un fascicule. Donc c'est des arc-en-ciel ou je sais plus trop quoi. Parapluie ou je sais plus. C'est CFM, m'avait dit en plus. Et voilà. Et je trouve ça joli. Donc vous devez entendre l'ordinateur derrière. Anthony, il est juste à côté. Elle est un petit peu dure la pâte, donc je la malade. Comme ça. Et trois rochers. Jolis rochers. Enfin, c'est pas grave s'ils sont pas. S'il y a un peu des fissures là. Comme ça. Des rochers. Ensuite, on va aller faire ses petites jambes. J'ai envie qu'elle mette les pieds dans l'eau. On vient faire de l'herbe. On va se débrouiller à faire un sort de buisson derrière, comme ça. Sans moins. Anthony. Non, il est méchant, Roi Daddy Doux. Je l'aime pas. J'aime pas Roi Daddy Doux. Ah, mais j'ai. Non, c'est pas bien. Ah, si, j'ai un bleu. J'ai fait du bleu. Il me faut ma pique. Arrête Anthony. Il faut ce pique pour faire l'effet herbe. Cette technique, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait longtemps que je l'ai fait. Pierre.
En fait, on gratte, on fait des petits cercles, des plus grands, des plus petits, des plus grands, des plus petits, et des plus grands, et des plus petits, par l'effet herbe. Vous voyez? Comme ça. Je suis contente de refaire de la fin. Bon, on se rejoint juste après que j'ai fini. On vient le placer. Par contre, de l'autre côté, ben, du coup, ben, c'est plat. Mais on regarde pas trop derrière, j'espère pas. Et comme ça. Et là, on va commencer. Bon, on va juste enlever d'abord tous les petits points qu'il y a de vert ici. Et on va commencer à faire notre petite Heidi. Avec la pâtissière claire, on vient faire un boudin. Que, ben. Un boudin, ça va se que j'ai cassé. Et pas assez souple. Bon, c'est pourtant, ça va, mais bon. Pas grave, on vient faire un boudin que on plie en deux. On vient couper parce que il y a ses pieds ici et comme elle met les pieds en haut, on vient le placer directement. Là, on va prendre notre filon rouge pour ceux qui ont du rouge, plutôt notre pâte rose. J'ai dit n'importe quoi. On vient juste la rouler pour faire sa robe. Juste sa jupe, on va dire, parce que c'est pas la même couleur des deux côtés. Donc, on vient la rouler le plus fin possible. Enfin, on va la rouler pas si fin que ça, mais quand même un peu fin. Cette pâte, elle est mieux et coupée un peu droit en haut. Courbée, juste un petit peu courbée. Je viens reprendre notre petite figurine qui n'est pas du tout finie. On va faire un dos, un cône, ça s'appelle un cône, je ne sais plus, que on vient peut-être le placer tout de suite. Ouais. Ou le placer après, je ne sais pas trop. On va juste prendre un petit peu de jaune pour pouvoir faire juste le contour qu'elle a autour. Après, les manches seront directement en jaune. Donc, il n'en faut pas beaucoup de jaune. Et il se casse aussi, bien sûr. Bon, ça va quand même. Il est moins dur. Il est moins dur quand même. Donc, ça doit aller. J'espère. On vient juste faire un boudin. Boudin que on vient mettre tout autour. On vient couper d'excédent. Et avec soit notre rouleau, on vient aplatir un petit peu. Je sais pas, mais avec quelque chose, on vient tout aplatir. On vient faire aussi là-devant. Comme ça. On vient faire son bras. On place le premier bras. Et le deuxième. Non, ça y est. C'est les manches, les petites manches de notre petite Heidi. On fait de même de l'autre côté. Le visage, c'est toujours en dernier. Toujours en dernier. On vient essayer de marquer déjà les yeux qui seront placés là, à peu près, moi je pense, seront là. Ici, il y aura la petite, sa grande bouche. C'est rigolo. Ouais, c'est ça.
génialissime. Et ici, il y aura son sorte de nez. Un tout petit nez de rien du tout. C'est parti. Donc là, on prend maintenant du blanc. On vient faire deux petites boules que l'on aplatit et que l'on place pour les yeux. Elles roulent. On vient rouler dessus pour qu'il y a à peu près pas trop d'épaisseur. Pour que ce soit bon, pour pas qu'elle soit un peu bizarre. Évitez qu'elle n'a pas des gros yeux qui sortent de sa tête. On vient prendre du noir et faire un fin boudin. On essaie d'en faire un fin. Et je viens faire le contour de notre petite Heidi. Toute mignonne. Et on vient couper l'excédent pour ceux qui l'en ont. Et on fait pareil de l'autre côté. On vient prendre deux petites boules quand même, bien petites, que l'on met au coin de l'œil. Celle-là de ce côté et l'autre de l'autre côté. Vous le mettez où vous voulez, vous. Et un tout petit bout de blanc que l'on met un petit peu au-dessus. Voilà. Anthony regarde Carly, il dit ça, les méchants. Vous ne connaissez que. Enfin, c'est pas en français, c'est en chinois, mais il dit. Oula. Oula, je sais pas. On va mettre un tout petit bout donc de rouge, un tout petit bout de rose, un peu plus petit, pour faire sa petite langue. On va la mettre maintenant pendant 5 minutes au four. Donc on place un cure-dent. Pour sa petite tête, par contre, la tête, il faut la déformer si c'est comme ça. J'ai oublié de faire, vous imaginez pas, son petit cou. Donc, elle serait bizarre son cou, hein. Katemari. Comment Katemari. D'accord, d'accord. Trop tôt. Ah, ça dépasse le cure-dent là, mince. 5 minutes pendant le four. Bon, voici ses cheveux. Là, j'ai oublié de filmer. Loïdi, d'autres petites mèches pour ses cheveux. On va lui faire ses deux petites oreilles. Donc on fait un petit peu et on tac, on pince comme ceci en faisant un petit trou avec notre petite boule. Et on vient pincer la deuxième petite oreille. Là. Des petits sourcils. Voilà fini notre petite Heidi. 30 minutes à 110 degrés. Moi, c'est que vous en pensez.
Dites-moi ce que vous en pensez de la petite Heidi. Et si elle vous a plu, ben n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous reproduisez mes créations, n'hésitez pas à me les envoyer sur ma page Facebook Miss Sophie Cochette Créative ou sur mon Instagram qui est Miss Sophie Cochette Créative et de me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui est Miss Sophie Cochette Créative pour Instagram et Facebook et pour TikTok Miss avec Flash. Gros bisous à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Des gros bisous. Bonne soirée ou bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez ma vidéo. Des gros bisous. Au revoir. Petit mot à tous ceux qui me suivent encore. Donc merci énormément à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci à tous ceux qui me suivent toujours. Je vous adore énormément beaucoup. Des gros bisous. Love.